C'est, est-elle, une des sommes les plus emblématiques des Oscars. Pendant la cérémonie, Will Smith a giflé un autre célèbre acteur en défendant son épouse. À mon âme, vous donne plus de détails concernant ce qui est, était passe. Suite à une mauvaise blague de Chris Rock au sujet de sa femme, Jada Pinkett Smith, Will S., est fâche contre le comédien en public. Rappelons que, entre les deux tourtereaux, c'est, et tout elle, amour fou depuis plus d'une décennie maintenant. Le couple reste ensemble, malgré les hauts et les bas qu'ils ont dû traverser. Zoom sur leur histoire des amours. Une blague qui a de rap, Will Smith s'excuse après sa violente gifle la 94e cérémonie des Oscars et de roulis le lundi 28 mars 2022 et être pour le moins particulière. Ce fut en grande partie à cause de la gifle de Will Smith. Degré c'est de loin le moment le plus fou de l'histoire des Oscars. Point final, plus ou moins a écrit un internaute. Que est-ce, est-il vraiment passe? En fait, tout a commencé quand Chris Rock a fait une blague au sujet de la coiffure de Jada Pinkett Smith, la femme de L, acteur de The Gray Man in Black, plus ou moins. En effet, pendant sa prise de parole, elle, humoriste S, est moquée du crâne rase de la maman de Jaden Smith, en comparant celle-ci à Demi Moore, dans le film, de Bridget Jane, plus ou moins. Une blague qui n'a pas plu à Jada, encore moins au père de ses enfants. Le fait est que si l'épouse de Will Smith a le crâne rase, c'est à cause de sa maladie. Will Smith et Jada Pinkett Smith à la première de Gemini Man au TCL Chinese Theater Hollywood, Californie, photo Getty Images après que Chris Rock a fait sa vanne, Will Smith et monte sur scène pour le rejoindre. Ce dernier a ensuite giflé elle, humoriste, puis a repris Sun Siege. Et alors que Chris, étonne, attend d'expliquer que c'était juste une plaisanterie, l'acteur a crié, de Grey garde le nom de ma femme hors de ta bouche, plus ou moins. L'incident Will Smith est revenu sur le plateau pour recevoir elle, Oscar du meilleur acteur grâce à son rôle dans The Grey King Richard, plus ou moins. Arm, le papa de Willow Smith S, est excuse, non pas auprès de celui qu'il a gifle, mais envers les célébrités qui ont été nominées avec lui. Il a aussi souligné au cours de son discours que l'amour fait faire des choses folles, plus ou moins. Il a dit dont souffre Jada en fait, si Will Smith n'a pas du tout apprécié la blague, a fait crier Rock à propos de son épouse, c'est, et parce que celle-ci souffre des alopecies. C'est, est en 2018 que Jada Pinkett Smith a fait part de cette maladie au public. Bien que, elle ne soit pas mortelle, elle, alopecie fait perdre les poils et les cheveux chez les femmes. Puis, LS affiche fièrement la boule à zéro. Notons que la femme de Willen est pas seule dans cette bataille puisque des, après une étude datant de 2016, près de 47 femmes noires souffrent également de elle, alopecie. Réaction de Laurence Boccolini sur la gifle, degré la violence haine, et jamais une solution, ceci dit, plus ou moins après que Will Smith a gifle Chris Rock, les réseaux sociaux ont été submergés par les commentaires. Fait, plusieurs personnalités publiques ont réagi, et parmi eux figure Tiffany Haddish qui a qualifié ce moment de degré la plus belle chose, plus ou moins qu'elle ait vu. Donc le geste du comédien N a pas fait elle unanimité. Producteur de films et membre de Elle, Académie des Oscars, Marshall Herskovitz, par exemple, a souhaité que des degrés mesures disciplinaires, plus ou moins soient prises à l'encontre du mari de Jada. Lui,
Le papa de Jaden Smith a fait un mauvais geste en giflant elle, humoriste. De son côté, Roger Ross Williams avoue avoir versé quelques larmes après avoir vu la scène, car selon lui, de gré cela renforce les stéréotypes sur les Noirs, plus ou moins ce qui, elle, affecte énormément. Will Smith lors des Creative Impact Awards de Variety le 3 janvier 2016 à Palm Springs. Oh, Getty Images. Les organisateurs des Oscars ont notamment déclaré que, de gré elle, Academy condamne les actions de M. Smith, plus ou moins pendant la cérémonie. Du côté des personnalités publiques francaises, Laurence Boccolini a, elle aussi, donne son avis. La violence n'est jamais une solution. Ceci dit, la violence des mots est sous-estimée. Un partout, plus ou moins, dit-elle. Après sa première réaction, Laurence a voulu éclaircir les choses en déclarant que, de gré cette baffe a permis à beaucoup de monde de parler, plus ou moins. Elle a également tenu à rappeler que, il, de gré, y a plus grave en ce moment, plus ou moins à part cette histoire de gifle. Ce qui continue, de gré avoir dans ses mots ce qui haine, il se trouve pas, plus ou moins Laurence Boccolini a souligné que, elle en avait, de gré elle, habitude, plus ou moins. Le mariage des Smith concernant elle, histoire des, amour de Will et Jada Pinkett Smith, cela a commencé il y a un peu plus des, une décennie. Deux célébrités sont, en effet, ensemble depuis maintenant 24 ans. Si on les a toujours classés parmi elles, un des couples modèles de Hollywood, les parents de Jaden et Willow, ont, eux aussi, dû faire face à des difficultés au cours de leur idylle. Rumeurs des infidélités entre les deux se sont souvent répandues. Elle, acteur a tout nié puisque selon ses dires, lui et son épouse sont en relation libre, ce qui a fait réagir les gens. Will Smith lors des Creative Impact Awards de Variety le 3 janvier 2016 à Palm Springs. Photo. Getty Images. Les quinquagénaires ont eu un déclic et se sont dit que quelque chose devait changer dans leur mariage. En 2020, Jada Pinkett Smith a également choqué le monde entier, ainsi que son mari lui-même, en annonçant dans Sun Talk Show, degré Red Table Talk, plus ou moins que, elle avait eu une liaison avec elle, un des amis de leur fils, Jaden. Jada Pinkett Smith, Will Smith, Willow Smith, Jaden Smith et Trey Smith lors de l'enregistrement de VH1 Dear Mom le 3 mai 2016 à New York. Photo. Getty Images. Il est agi du rappeur Augustina Alina qui avait 27 ans à ce moment-là. Et, après elle, actrice, leur liaison a eu lieu durant une période difficile de leur mariage. 7 degrés enchevêtrement, plus ou moins comme elle, avec Alifi, s'épasse en 2017. Par ailleurs, grâce à leur union, Will et son épouse ont eu 2 enfants qui ne sont autres que Jaden et Willow Smith. À noter que le comédien a déjà un autre fils, prénommé Trey, né d'une relation ancienne. Lire aussi, Robert Downey Jr. donne des leçons de vie à Sarah Jessica Parker pendant leur relation à Bollywood.